Monsieur Abdelhabziani, bonjour. Bonjour. Alors, entre encouragement à l'investissement et facilitation administrative et bureaucratique annoncée par les pouvoirs publics, les entreprises sont-elles dans le processus de relance économique? Il y a une relance et reprise d'activité. Nous sommes inscrits pleinement dans cette relance et nous y croyons totalement parce qu'on n'a pas de pays de rechange et nous sommes obligés de nous battre pour reconquérir notre pays et de faire de la productivité énorme pour satisfaire tout le monde. Mais parallèlement, vous appelez à mettre en place un plan d'urgence de relance économique. On n'a pas d'autre alternative que de mettre en place ce plan d'urgence que vous avez proposé soumis au président de la République, M. Abdelwahab Ziani. Bien sûr qu'il faut un plan de relance que nous appelons, nous, le dernier virage, parce que c'est un virage important à prendre. Il faut maintenant construire notre propre modèle économique algérien. Il faut maintenant savoir qu'il faut bannir toutes les anciennes pratiques qui ont été faites dans le passé, qui ont échoué, et maintenant il faut venir au renouveau, l'Algérie nouvelle. Donc il faut absolument qu'on discute entre nous, qu'on trouve de la concertation pleinement, notamment avec le patronat et les producteurs et les institutions, pour essayer d'aller vite, parce que le temps joue contre nous. Et aujourd'hui, il va falloir travailler tout, la terre, l'industrie, la consommation, et surtout la ressource humaine. Le temps, c'est de l'argent, et on perd trop de temps. On en a perdu déjà beaucoup. On a perdu plus de 30 ans déjà en arrière. Il va falloir maintenant faire tourner nos machines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment outillés, nous sommes vraiment... la ressource humaine existe, l'intelligentsia existe. Il va falloir laisser l'Algérien travailler pour essayer d'aboutir et d'arriver à une solution finale. Ça veut dire qu'il faut maintenant travailler sur le pays et il faut travailler aussi, réfléchir sur la région, parce qu'il faut travailler région maintenant. Il ne faut plus travailler uniquement sur un seul modèle qui est l'Algérie, mais aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique et aller plus loin, quoi. Alors, vous avez fixé les priorités, les filières à préserver, sauver en urgence, qui sont aujourd'hui en souffrance, en agonie. Monsieur Abdelwahab Ziani. Bien sûr, il faut apporter un soutien à toutes les entreprises existantes qui sont actuellement en train d'alimenter le pays. C'est très important dans tous les domaines, de l'agro, de l'industrie, de la sous-traitance, il y a tout, quoi. Et en plus de ça, il va falloir maintenant encourager les nouvelles filières qui n'ont jamais existé chez nous, telles que la transition énergétique, le solaire, le transport donc, de l'hydrogène. Enfin, c'est tout ça qu'il faut maintenant bâtir. Mais l'entreprise existante aujourd'hui, il faut la sauvegarder, parce que déjà on sauvegarde le minimum de l'emploi, qui est un revenu déjà pour le ministère des Finances, parce qu'il y a un revenu de l'IRG qui vient que de l'emploi, qui représente 45%. Donc c'est très important qu'aujourd'hui, préserver la ressource humaine, préserver la production nationale, celles qui sont encore à booster, il faut les soutenir, et celles qu'il faut maintenant déterrer, parce qu'il y en a qui sont en train de mourir, il va falloir les remettre sur selle et pour qu'ils puissent reprendre un peu leur marché, parce que nous y croyons fortement qu'il n'y a que nous qui pouvons satisfaire notre pays, avec l'industrie existante, avec l'intelligentsia et les Algériens qui existent dans l'industrie depuis plus de 30 ans. Mais avec les 10 recommandations contenues dans le plan d'urgence que vous avez soumis au président de la République, pour vous, il est nécessaire aussi de revoir la fiscalité. Trop d'impôts favorisent l'informel. 47% d'impôts pour les entreprises en taux cumulé, ça alourdit les charges de l'entreprise. Il faut absolument les revoir aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça fait très longtemps que nous sommes en train de dire qu'il faut bannir un peu les anciennes pratiques. Notamment, on parle toujours du marché parallèle, qui est plus important que le marché réel, le marché de l'industrie, le marché de l'économie. Et aujourd'hui, 47%, on va encore perdre encore des gens qui sont dans le marché réel, dans le légal, et qui vont rejoindre le marché parallèle parce qu'il y a trop d'impôts. 47% de taux cumulés, c'est peut-être très important, et je dirais qu'il y a plus que 47%. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler avec les gens de la fiscalité, ils sont très difficiles à comprendre que trop d'impôts tue l'impôt totalement, et l'entreprise et la ressource humaine. Et je dirais qu'aujourd'hui, il va falloir maintenant revoir une stratégie sur la fiscalité pour justement baisser la fiscalité, l'élargir. On l'a toujours appelé la task fiscale, elle doit être allégée et élargie à tout le monde. Et comme ça, nous pouvons récupérer le marché parallèle. On ne peut pas se battre avec nos propres enfants qui sont dans le même territoire. Il va falloir que tout le monde paye une fiscalité, mais une petite fiscalité. Mais quand vous dites aujourd'hui, par exemple, 47% de taux de fiscalité cumulé est trop lourd pour l'entreprise et ça favorise l'informel, les gens vont choisir bien sûr l'informel pour échapper à l'impôt. Ben oui, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, ce taux de 47% retombe sur quelques entreprises existantes qui ont pignon sur rue. Toutes les autres, elles sont là, elles sont dans la nature, mais elles ne payent rien du tout. Et pour encourager de ramener les gens, que tout le monde paye un peu de fiscalité, il va falloir le baisser, il va falloir réfléchir sur une fiscalité intelligente qui puisse ramener tout le monde sur la scène nationale.
une fiscalité élargie à d'autres activités, hors bien sûr celles qui concernent l'entreprise, Monsieur Ziennis. Bien sûr, parce que l'élargissement de l'assiette fiscale. Moi, l'élargissement de l'assiette fiscale, justement, parce que l'entreprise, elle subit de plein fouet la fiscalité. Sur même titre que l'IRG pour les travailleurs, hein, ben oui, puisque c'est l'impôt qui est extrait à la source. Exactement. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut baisser la fiscalité, alléger la fiscalité, avoir plus de concertation avec les entreprises concernant la fiscalité et trouver un modèle qui puisse nous arranger à tous. Parce que là, aujourd'hui, on voit une seule direction. C'est un diktat, c'est une loi de finances qui arrive chaque année, qui nous disent, voilà, cette année, vous allez payer tant d'impôts, et ça continue. Hein. On parle de quelques pourcentages qu'on a baissé là et par-ci et par-là, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est toujours les entreprises, les redressements fiscaux ont continué, les investigations ont continué. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un pays. Un pays se construit sur une concertation fiscale pour le long terme. Et on peut construire notre pays pour plus qu'il y a plus de concertation entre nous et les gens de la fiscalité. Alors, il faut discuter avec, bien sûr, les gens des impôts, de telle sorte à trouver des mécanismes d'allègement de cette fiscalité, impérativement, aujourd'hui. Bien sûr. Il y a eu des contacts? Vous êtes en contact avec eux? Écoutez, moi je salue toujours le ministère des Finances, mais je dis toujours qu'il n'y a pas assez de concertation. La dernière loi de finances, elle a été faite sur mesure, comme ils ont voulu, eux. Mais nous, on n'a pas eu de concertation totale. Le patronat, habituellement, il est toujours concerté par rapport à une fiscalité, parce que nous sommes quand même un producteur de fiscalité pour le trésor public. Donc c'est très important de discuter avec ces gens qui sont des producteurs d'argent pour prélever une fiscalité pour toute la population. Mais si cette fiscalité elle est dans un seul sens, eh ben, nous perdrons toujours les gens qui sont dans le réel et partiront dans le marché parallèle. Et je dis toujours, donc, travaillons ensemble pour réduire un peu la fiscalité, l'élargir et trouver un chemin juste pour tous les Algériens, quoi. Mais vous êtes toujours dans l'esprit un peu de l'amélioration du climat des affaires, parce que dans vos propositions, vous parlez également de la réforme du système bancaire, de l'industrie par rapport à une stratégie qui doit être suffisamment visible et lisible de telle sorte à permettre l'émergence de nouvelles, bien sûr, entreprises dans le domaine qui est extrêmement important aujourd'hui. Vous parlez aussi de l'agroalimentaire et bien sûr des questions liées au foncier. C'est toujours les mêmes questions récurrentes qui reviennent à chaque fois. Oui, il va falloir. Monsieur Abdelouhab, c'est vrai que ces questions reviennent toujours et on aimerait un peu en finir parce qu'aujourd'hui, on a des solutions. On a proposé des solutions. Passer à l'action. Il faut passer à l'action. Et cette action, on n'a pas besoin de faire réfléchir chaque ministère tout seul. Il va falloir qu'on se mette tous autour d'une table. Dans le passé, on les a pris les tripartites. Peut-être qu'il faut bannir cette pratique. Mais il va falloir que maintenant, nous, le pôle patronat, nous sommes maintenant unis, on travaille ensemble, il y a des passerelles entre nous. Je pense que nous avons de super propositions. On peut se mettre à table avec notre gouvernement et tirer définitivement des leçons du passé pour ne plus revenir sur, comme vous avez tout à l'heure dit, le timing. Aujourd'hui, c'est le timing. On va se mettre autour d'une table, c'est une question d'une semaine. On n'a pas besoin de rester des mois pour prendre des décisions. Les bonnes décisions, on les prend et celles qui sont à bannir, ben on les bannira et on avancera. Et il faut qu'on fasse vite, parce qu'aujourd'hui, nous avons été reçus par le président de la République, qui l'a prêté main forte en disant « il faut faire de la concertation ». Ok, on va faire de la concertation, mais avec qui? C'est notre gouvernement aujourd'hui, on travaille seul, chaque ministre travaille seul, avec chaque patronat, etc. Aujourd'hui, il va falloir qu'on se mette autour d'une table. On est prêt à travailler, on est prêt à relever le défi. Il faut qu'ils nous laissent travailler. Alors, quand vous parlez de revoir les systèmes et les dispositifs actuels, le code du travail, il faut le revoir? Bien sûr, le code du travail, il faut le revoir. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans le code du travail? Il faut d'abord l'adapter. L'adapter à une situation. On a été frappé par cette crise, le Covid-19, etc. On doit être justement rapide à revoir certaines choses, certaines lois. On parlait du 83 bis, la réglementation du travail, enfin du travailleur et l'entreprise, le monde de l'entreprise. C'est très important. Donc à chaque fois, on revient sur des situations qui ont perduré depuis 10 ans. Maintenant, toutes les lois, il n'y a pas que le ministère du Travail, toutes les lois doivent être flexibles, et notamment, surtout, ces décrets qui n'arrivent pas, parce qu'on parle de loi, il n'y a pas de décret d'application, et on revient en arrière, et chacun juge à sa manière. Donc, il va falloir vite, pas amender, mais rendre les lois flexibles par rapport à une situation donnée. On est en pleine crise du Covid-19, on n'arrête pas de dire on a soutenu, on a ceci, on a cela, mais on est en train de perdre des masses entières d'emplois qui sont en train de partir dans la nature et nous on ne veut pas les perdre. Donc pour comment garder ces emplois, c'est aussi le code du travail qui doit s'adapter. Laissons un peu
Le travailleur doit laisser de ses plumes. Aussi, l'entreprise doit laisser beaucoup de ses plumes pour essayer de préserver ses emplois. Et c'est le code du travail qui doit alléger justement la réglementation et justement préserver cette ressource humaine algérienne qui est précieuse. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par flexibilité, pour qu'on puisse mieux vous comprendre, monsieur Abdelwahab Ziani? Est-ce que c'est par rapport au recrutement, aux modalités de recrutement? Qu'est-ce que vous entendez par le modèle de recrutement était à bannir totalement. Il faut libérer le monde du travail. C'est l'entreprise et le travailleur. Ça regarde deux personnes. Il y a quelqu'un qui veut travailler, il veut aller à l'entreprise. L'entreprise, elle veut recruter quelque chose de spécial ou un profil spécifique à elle. C'est le monde, c'est ce monde-là qu'il faut laisser tranquille. Ensuite, les lois doivent s'adapter justement aux travailleurs et à l'entreprise. Mais est-ce que cette flexibilité ne va pas favoriser la précarité? Pas du tout, pas du tout. Les pays qui ont réussi, d'abord, vous savez qu'ils ont libéré le travailleur, parce qu'un travailleur qui travaille dans un emploi, il peut avoir un deuxième emploi, il ne paye pas d'IRG. Dans notre pays, c'est presque impossible. Si quelqu'un il a deux emplois, il va payer plein pot l'IRG, la fiscalité. Donc il faut libérer le travailleur, il faut libérer aussi l'entreprise. Et préserver les droits des travailleurs. Bien sûr, il est très important. Parce que si vous faites le comparatif avec d'autres pays, ils ont les prud'hommes qui les défendent farouchement également pour préserver leurs intérêts. Moi, aujourd'hui, nous sommes demandeurs de ressources humaines et on manque beaucoup. Et il va falloir les préserver, mais aussi préserver leurs droits et préserver l'entreprise. Sans entreprise, il n'y aura pas d'emploi. Et sans emploi, il n'y aura pas d'entreprise. Donc il faut préserver les intérêts de chacun. Mais est-ce qu'on peut avoir des estimations sur les pertes d'emplois? Certains les estiment à plus de 1 600 000 emplois qui ont été perdus par l'ancien ministre délégué, chargé bien sûr de la relance économique auprès du Premier ministre. Et puis vous avez parallèlement les déclarations du ministre du Travail qui déclare plus de 51 000 emplois sont perdus par rapport à la disparition du SKD et CKD dans le domaine de l'automobile, le secteur du montage de l'automobile. Et vous avez, parallèlement, on parle de plus de 1 million, c'est exactement l'estimation donnée aujourd'hui exactement par le ministère du Travail. Exactement, nous sommes autour d'un million. Nous sommes autour d'un million, mais il va falloir dire que c'est une vérité et ce n'est pas une vérité. Parce que quand même, il y a des emplois qui sont en train de se reconvertir. Parce qu'il y a des secteurs qui ont cessé d'activer, tels que le BTPH, le CKD, le SKD. Il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'on veut y aller encore ou on ne veut pas y aller? Mais vous savez que, par exemple, si vous prenez tout ce monde de l'automobile ou de la sous-traitance, du CKD, de la SKD, quand même, nous avons perdu beaucoup d'argent parce que la formation nous a coûté énormément. Comment perdre toute cette formation au détriment parce qu'une décision politique? Il va falloir reprendre. On est d'accord ou pas d'accord, mais il faut libérer un peu le montage du CKD, SKD et surtout préserver cette ressource humaine qui a été formée, qui nous a coûté beaucoup d'argent à l'Algérie. Donc il va falloir réfléchir à trouver un modèle flexible où on peut relancer un peu cette industrie qui peut encore reprendre ces 55 000 emplois perdus. Il n'y a pas que le CKD, SKD, le BTPH, il va falloir maintenant faire de la préférence nationale et aussi de la préférence sur la construction du pays. C'est très important. On a des entreprises, on peut travailler, on peut reconstruire notre pays. Nous avons de l'expérience pour peu qu'il y ait une relance des esprits, de l'État et de l'industrie. Sauver et soutenir l'entreprise, c'est préserver l'emploi, éviter de verser d'une crise politique, économique vers une crise sociale. Impérativement. Il faut impérativement travailler parce que nous ne voulons éviter pas... Éviter des scénarios que nous avons vécu précédemment. On ne veut pas que notre pays ait une crise sociale. On veut que notre pays quand même sorte de cette crise. C'est une crise politique. Je ne dis pas qu'elle est économique. Dans notre pays, c'est une crise politique parce que les politiciens sont en retard par rapport à l'économie. Nous sommes un peu en avance par rapport à ça. C'est pour ça que je me dis qu'il faut travailler autour d'une table pour trouver des solutions et sortir notre pays de cette crise. Alors, monsieur Abdelwahab Ziani, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, puisque vous appelez à mettre en place aujourd'hui un plan d'urgence de relance économique et amélioration du climat des affaires, est-ce qu'il faut falloir aussi fixer les priorités, sauver l'existant impérativement? La filière agroalimentaire, c'est impératif. Il est impératif parce que nous avons énormément de potentialités dans le secteur sûr, agricole. On peut suffire notre pays et aller même à l'extérieur. Et je dirais qu'aujourd'hui, le président de la République a parlé de trois priorités, qui est la sécurité alimentaire, la sécurité donc numérique et la sécurité énergétique. Et nous avons, nous... Il y a aussi la sécurité sanitaire. Oui, mais nous, en tant qu'organisation patronale, nous avons ajouté quand même quelque chose qui est important, c'est la sécurité hydrique. Parce que très important, il faut irriguer le pays du nord vers le sud, du sud vers le nord, latéral et partout.
Donc il est important de sauver des filières entières, la filière lait, hein, donc je préside énormément ces entreprises, et aujourd'hui on a vu que même dans le marché parallèle, on en parlait tout à l'heure, il y a du lait qui n'est pas encore conventionnel, qui doit rentrer dans le réel. Donc il va falloir nettoyer toutes ces anciennes histoires qui sont dans le marché parallèle et revenir un peu sur la sécurité alimentaire et légaliser. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure, ce matin, pour le recensement de tout notre bétail, il va falloir le recenser et savoir ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, recenser, avoir un passeport sur chaque bête, c'est très important. Comme ça, on peut savoir qu'est-ce qu'on a en viande et qu'est-ce qu'on a en lait. Et donc, c'est très important. Ça limitera, bien sûr, les importations massives qui sont parfois extrêmement coûteuses. Non, moi, je dis qu'il y a un dysfonctionnement entre les importations et la production nationale. Nous sommes en surcapacité sur la viande. C'est vrai qu'on parle de la viande à importer, etc., à essayer de réguler le marché. Mais il y a assez de viande en Algérie. C'est juste des spéculations que les gens veulent encore nous faire saigner. Et nous ne sommes pas d'accord. On veut consommer algérien avec les bêtes algériennes qui sont sur le territoire. Protéger la production nationale. C'est une priorité, protéger la production nationale, en passant par l'agriculture. Tous les pays le font. Bien sûr, moi je suis un des premiers protecteurs, j'en ai parlé ici, ça fait plus de 10 ans, et je parle et je continue à parler de protéger mon pays concernant la production nationale, parce que la production nationale, quand on la protégera, on créera beaucoup de ressources humaines, on créera de l'emploi, et on va encourager la consommation algérienne. Et c'est très important, je l'ai toujours dit dans ces plateaux, le Made in Algérie, c'est une qualité. Il faut le consommer, il faut l'encourager. Même souvent, on nous dit que c'est de la médiocrité, mais je dis que le Made in Algérie, aujourd'hui, il est reconnu sur le continent africain et beaucoup sur les pays le reconnaissent à l'étranger. Donc, il va falloir l'encourager par le consommateur pour préserver la ressource humaine algérienne et c'est très important. Alors, vous avez parlé de la filière lait, filière céréales et culture, c'est important également. Bien sûr, bien sûr. Pour réduire la facture d'importation, puisque maintenant, on parle d'importation qui pourrait être complémentaire, bien sûr, à la production nationale. C'est ce qu'a indiqué le président de la République lors de sa dernière rencontre avec les médias. Monsieur Abdelwahab Ziani, puisqu'on a baissé la facture d'importation de près de 10 milliards déjà. Oui, parce qu'on vole moins, on est en train de voler moins. Il y a eu trop de vols dans le passé, et c'est une vérité. Par la surfacturation. Bien sûr, il y a eu trop de surfacturation, et aujourd'hui, la réalité fait que nous sommes en train de baisser la facture. Elle va baisser encore. Si les Algériens sont honnêtes envers leur pays et envers leurs citoyens, on baissera cette facture, parce que si on calcule un peu le taux et combien de dollars il nous faut pour nourrir l'Algérie en industrie, dans tout ce que vous pouvez imaginer, c'est moins de 25 milliards. Arrêtons de voler l'Algérie pour aller enrichir les autres pays. Aujourd'hui, il va falloir donner de l'argent pour notre propre pays. Donc il va falloir voler moins, il faut travailler plus, il faut que l'Algérien gaspille moins, il faut continuer à encourager la productivité, il faut avoir confiance à l'entreprise algérienne, il faut avoir confiance dans son État et dans sa république. Et c'est très important. L'agroalimentaire, beaucoup de potentialités aujourd'hui, par rapport au développement de l'agriculture. Moi, je dis que l'agroalimentaire, c'est un des axes les plus importants dans notre pays. Parce de l'industrie, de transformation. Parce que c'est très important. Vous avez vu, on a fait un séminaire dernièrement à Tamanrasset. Moi, j'ai dit dans mon séminaire que la deuxième capitale après Alger, c'est Tamanrasset, parce qu'il y a un corridor. C'est la porte de l'Afrique. Oui, il y a un corridor autour de nous. Nous avons trois pays qui sont juste vers le bas. Et je dirais qu'on peut alimenter, on essaye de faire des accords. Le Sahel qui est notre prolongement bien naturel. Bien sûr, c'est un corridor. Ce corridor, il est très important. Les gens sont prêts à faire la moitié du chemin. Et nous sommes prêts à faire l'autre moitié du chemin et se rencontrer dans cette capitale du Sud, cette capitale de la route du sel qui a existé de plus de 30 siècles, paraît-il. Donc il va falloir la reprendre. Et ces gens-là, on peut irriguer les autres pays à partir de notre pays avec des mécanismes d'attraction vers l'Algérie, tels que le Mali, le Tchad, le Nigeria, la Libye, la Mauritanie, etc. Et nous avons quand même une population qui va tourner autour de 200 millions. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de notre pays et il faut penser dans les régions. On peut faire de la transformation agricole pour ces pays-là et aussi on peut importer de ces pays-là pour nos usines. On a besoin de matières premières. Eux produisent, par exemple, je citerai le coton, le beurre de karité, le gingembre, l'arachide que nous importons de très loin alors qu'il est juste à nos portes. Donc il va falloir encourager toutes ces transformations vers le sud. Et je pense qu'il y a un marché pour l'Algérie qui dépasse les 50 milliards de dollars. Mais il va falloir maintenant travailler, il faut que l'Algérien travaille.
Il faut bannir le fainéantisme, il faut gagner de l'argent, il faut travailler. Inch'Allah ala yedina, et on va travailler pour remonter l'Algérie. Oui, mais justement, quand vous parlez de travailler et d'aller vers, bien sûr, l'exportation, vers ces pays du Sahel, qui sont le prolongement naturel de l'Algérie, puisque c'est un marché qui est prometteur pour les produits made in algériens, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir mettre en place des mécanismes d'attraction de telle sorte à aller vers ces pays-là, favoriser l'exportation vers ces pays-là, accélérer le processus de réforme et de soutien à l'exportation, monsieur Abdelwahab Ziani, comme cela se fait dans tous les pays du monde? La Chine a inondé le monde, la Turquie est en train d'inonder le monde, vous avez les autres pays comme la France est en train d'inonder le monde par ses produits. Est-ce qu'il va falloir mettre en place les mêmes mécanismes de soutien à l'export? Écoutez, notre idée c'est quoi? L'idée, la CIPA a fait une réflexion et a proposé donc à notre gouvernement donc de créer des lignes de crédit gouvernementales entre l'Algérie et donc et ces pays-là. Donc là, il va avoir de l'attraction. Supposons que nous donnons 100 millions de dollars pour chaque pays avec une ligne de crédit zéro intérêt et sur 20 ans. Pour les exportateurs? Pour les importateurs qui seront les pays qui sont des pays de subsahariens. Je ne parle pas des Algériens. Donc c'est de la préférence. Donc automatiquement, il y a des années, certains pays l'ont fait pour l'Algérie. Donc maintenant, nous devons le faire pour ces pays-là. On doit les aider à émerger, mais on doit les aider à consommer uniquement algérien. On doit reconvertir justement ces lignes de crédit pour les biens et services algériens qui peuvent venir faire de l'attraction chez nous. Et c'est comme ça que la Turquie, la Chine le fait avec des lignes de crédit. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de conquérir des pays africains très importants. Mais ça va être difficile puisque vous parlez justement de la concurrence de la Turquie et de la Chine au niveau de ce continent. Mais il n'y a pas bien sûr que la Chine. Je n'ai pas peur d'eux, madame. Je n'ai pas peur d'eux parce que moi je suis à proximité. Ce corridor nous appartient, nous sommes africains. Eux, maintenant, le conteneur s'est envolé, il coûte plus de 3 000 dollars, il coûte 12 000 dollars. Pour arriver dans ces pays-là, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie pour arriver au Mali, dans un pays enclavé. Nous, nous sommes à peu près à 6 heures de route à partir des frontières. Et nous sommes à moins de 2 jours de route à partir d'Alger. Donc, je n'ai pas peur de ces pays-là parce que nous transformons, nous avons de la qualité. Aujourd'hui, si je vous parle du marché parallèle et si je vous dis que beaucoup de nos produits sont là-bas et personne ne perçoit ni le trésor public, ni les entreprises gagnent, et bien nos produits sont là-bas, Vetehreb, etc., ils sont là-bas. Il va falloir maintenant légaliser tous ces marchés-là en mettant des mécanismes de soutien pour l'entreprise algérienne et pour justement l'achat des produits qui vont venir à travers nos frères africains qui sont juste à nos portes, et on peut travailler ensemble. Mais quand on parle aujourd'hui de lever certaines contraintes, la dépréciation de la valeur du dinar, on parle d'une dépréciation qui a atteint pratiquement les 50% de la valeur du dinar. Est-ce que c'est aujourd'hui un problème réel pour l'entreprise? C'est un problème réel parce qu'aujourd'hui, on a toujours parlé de la stabilité de la monnaie. C'est anormal de payer un dinar à 150, un euro à 157 dinars. Il va falloir que le dinar reprend sa force comme dans le passé. Il va falloir le regagner, il va falloir le repositionner. Arrêtons le karkarof dinar et on essaie de le baisser, c'est pas sa vraie valeur. Le dinar quand même, il a une valeur. Et cette valeur, comme j'ai toujours dit ici, je défie quiconque, un économiste ou quiconque me dit que le dinar coûte 157 par rapport à l'euro ou 130 par rapport au dollar. Il va falloir lui redonner sa dignité en faisant un vrai dinar, un dinar fort. Il va falloir justement réévaluer le dinar, changer la monnaie et donner une stabilité à cette monnaie pour donner de la force aux industries. Parce qu'avant, on a toujours dévalué le dinar pour faire de l'attraction des IDE vers l'Algérie. Maintenant, il va falloir compter avec ses propres enfants. Et nous, nous sommes là pour donner une force à notre pays avec un dinar fort. Donc il va falloir inverser, c'est justement cet esprit de dévaluer continuellement le dinar. Il va falloir le réévaluer en faisant d'un dinar, le 1000 dinars deviendra 100 dinars et on donnera de la force à l'entreprise. Alors, monsieur Abdelwahab Ziani, il y a cette problématique aussi. On met beaucoup en place un plan de relance, on met en place des mécanismes de soutien à l'entreprise pour favoriser, bien sûr, l'investissement, mais les investissements n'existent quasiment pas. Même le président de la République s'était posé la question et a relevé cette problématique. Est-ce qu'on peut considérer que l'entreprise ou les entrepreneurs sont frileux? Qu'est-ce qui leur fait peur? C'est l'instabilité juridique? Tout ce que vous êtes en train de dire, je ne l'accepte pas parce que tout simplement, j'ai dit tout à l'heure que les politiciens sont en retard. Et aujourd'hui, nos institutions et la bureaucratie sont en train de retarder les investissements. Il y a plus de 700 dossiers actuellement en souffrance pour donner justement des avantages fiscaux et parafiscaux aux entreprises algériennes et aux IDE qui sont encore là, suspendus, et personne n'arrive à prendre une décision. Ils sont suspendus? Je ne sais pas, madame. Moi-même, je ne sais pas. Vous savez quoi? Avant, Il y a les projets Andy, il y a les produits de l'ancien
CNI qui a disparu depuis plus d'une année, aucune réunion n'a été faite et ces dossiers-là sont encore en suspens. Qui prend la décision, on ne sait pas. C'est une bureaucratie qui pèse lourd encore et ne libère pas l'initiative. Nous, au sein de la CIPA, nous avons des dossiers actuellement que nous n'arriverons pas à ouvrir. Pourquoi ? Parce que personne ne prend de décision. Quand vous dites c'est remonté vers le ministère vers le PM, etc. C'est pas normal. On doit mettre des mécanismes simples. Libérer l'entreprise. Libérer. Vous savez, une entreprise, un nouveau investissement, quand il arrive sur le marché, s'il a un cahier des charges entre l'État et son cahier des charges qui est bien fait, et les banques acceptent, et l'entreprise va dégager des gains et de la ressource humaine, il faut libérer ses initiatives, il ne faut plus les retenir. C'est pas vrai qu'on dit qu'il n'y a personne qui veut investir. On a beaucoup de dossiers d'investissement, mais il faut libérer. J'ai encouragé le ministère de l'Agriculture parce qu'ils vont bientôt mettre justement un guichet unique justement pour l'investissement pour l'agriculture. Ça, c'est une bonne initiative. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de passer ni par l'ANDI, ni par ministère, ni par banque, ni personne. C'est-à-dire que vous arrivez avec votre dossier. Si votre dossier remplit justement pleinement, oui, et ce dossier passera avec un guichet unique. Il va falloir trouver des guichets uniques partout et simplifier justement l'investissement. Nous avons, tout à l'heure, je voulais parler un peu de cette autoroute et les intelligente que nous voulions faire avec des financements étrangers et non pas des financements propres à l'Algérie. Pourquoi gaspiller tous nos financements? Nous, on a réfléchi, on a des investisseurs étrangers qui veulent réaliser avec nous ce qu'on appelle l'autoroute à béton. L'autoroute à béton intelligente qui peut aussi justement transporter toute goutte qui peut tomber du ciel, peut être transportée par cette autoroute vers des mini-barrages pour irriguer justement toute l'Algérie. Et cette autoroute intelligente va justement consommer tous les excédents de ciment que nous produisons. Nos cimentiers sont en train de s'arrêter. Donc il va falloir retransformer ce ciment en autoroute au lieu de faire du goudron. Dernièrement, j'ai assisté à un séminaire pour faire encore la nouvelle autoroute qui va partir jusqu'à Lagos. Je suis pas d'accord parce que le bitume, on l'importe. Nous avons une ressource qui est le ciment. Donc il va falloir réfléchir différemment avec les ressources que nous avons. Il ne faut pas réfléchir avec les ressources que nous n'avons pas dans le pays. Et justement, une autoroute intelligente à béton peut justement travailler plus de 100 000 emplois, création et irriguer les pays subsahariens. Et c'est ça le principe de l'économie de la connaissance. Alors, autre question qui est aujourd'hui récurrente et qui revient toujours à l'ordre du jour, la question du foncier. Une solution, vu, M. Abdou Abziani, puisque vous êtes en contact avec les différents secteurs ministériels, est-ce qu'on peut considérer que cette question est prise en charge aujourd'hui? Elle est prise en charge. Ce qui a été dilapidé a été récupéré, le ministère de la Justice a donné des indications, mais est-ce qu'il va falloir aussi le remettre sur le marché de telle sorte à le mettre à la disposition des opérateurs économiques, les véritables investisseurs? M. Abdou Abziani. Voilà, il va falloir distinguer le véritable du faux, parce que c'est le faux dans le passé qui a justement mis de l'ombre sur le vrai. Et ce faux-là, il a occupé 80% de l'Algérie, notamment sur les assiettes qui existent du foncier. Et c'est vrai que l'État s'est réveillé un peu en retard, mais on l'a dit, même ici dans ce plateau, et tout le monde l'a dit, il n'y a pas que moi, de récupérer justement toutes ces superficies qui ont été données à des gens qui n'ont même pas de projet, qui sont là à spéculer, nous relouer des espaces parce que nous sommes à l'étroit dans certaines zones industrielles. Il va falloir discuter et faire de la concertation. Nous, c'est vrai qu'on nous appelle peut-être le patronat, beaucoup disent que ce n'est que des voleurs. Non, nous n'en sommes pas des voleurs, on est les constructeurs de ce pays. On veut travailler dans la transparence. Et justement, ce foncier, il va falloir le donner pour les gens qui ont besoin d'extension pour faire justement de la production nationale et du recrutement. Il va falloir le donner avec un véritable cahier des charges et nous souhaitons que ce cahier des charges, chaque fois on dit, faites de la concertation avec nous pour justement libérer le foncier, laisser la gestion des zones industrielles aux privés eux-mêmes, aux entreprises. Quand je dis privés, c'est les entreprises qui peuvent gérer leurs zones et non pas créer justement des gens qui viennent gérer des zones, qui viennent soutirer de l'argent à des gens qui sont à l'étroit, qui ont besoin d'aller ailleurs, ils sont locataires. Mettre fin à ce principe d'agence qui gère le foncier aujourd'hui, puisqu'on parle d'une autre agence qui sera mise en place. Il faut mettre fin à toutes ces agences qui sont en train de gérer. Ça doit être géré au niveau local, comme l'a dit le président, au niveau de la commune. Bien sûr, c'est le PAP qui doit gérer sa commune et qui doit encourager et embellir justement ses zones d'activité ou ses zones industrielles ou ses futures zones industrielles. Et on peut les gérer en coordination avec les entreprises existantes dans ces zones-là. Alors vous avez cette question de l'auditeur, M. Abdou Hebziani, qui vous dit réduire les impôts, oui, mais si pour augmenter les salaires et favoriser bien sûr la ressource humaine et ne pas dilapider cet argent. M. Abdou Hebziani, c'est ça la volonté aujourd'hui? C'est la vraie volonté aujourd'hui. Nous sommes en train de nous battre pour justement améliorer justement le bon vivre de l'Algérien et d'avoir un bon salaire
parce qu'aujourd'hui l'entreprise peine justement avec une fiscalité forte. Bien sûr que tout retombe sur le chef d'entreprise et ses employés. Et aujourd'hui, il va falloir remonter justement les salaires pour donner à l'Algérien sa dignité du travail et aussi le payer. Mais il va falloir faire des équilibres entre la fiscalité, le salaire, l'entreprise et la fiscalité de l'entreprise. Donc tout ça, c'est un équilibre qu'il faut discuter justement pour améliorer justement cette vie pour l'Algérien, mais aussi alléger l'entreprise. Et c'est tout à fait normal qu'on doit trouver un équilibre à trois. Et c'est l'entreprise, le chef d'entreprise, les employés et la fiscalité. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, évoquez l'encouragement à l'investissement. Souhil El Hachmi, savez-vous qu'après l'annulation de l'instruction 152-09 qui autorisait au Wali de la République d'octroyer des terrains dédiés à l'investissement après proposition du directeur de l'industrie, l'article 118 de la loi de finances de 2020 est venu apporter des corrections en faisant marche arrière et en revenant à l'ancienne formule du CalPIREF. Est-ce qu'il va falloir mettre fin, bien sûr, à ces lois contradictoires par rapport aux différentes déclarations, même celle du président de la République, M. Abdelwahab Ziani? Non, je dis qu'aujourd'hui, tout simplement, on parle toujours du Wali. Tout à l'heure, on a dit quelque chose de bien. C'est le PAP qui connaît sa zone. C'est le PAP qui connaît sa commune. C'est lui qui doit faire de l'attraction. Il faut libérer justement l'initiative directement au lieu de passer par X et Y. Le Wali doit justement juste là appuyer les instructions pour libérer le foncier envers le PAP qui doit lui donner remonter des informations. Et arrêter de dire CalPIREF, loi ceci, loi cela. Tout ça, il faut bannir. C'est l'offre et la demande. Chaque commune, c'est ce qu'elle a. Chaque commune, elle fait de la productivité d'un produit. Et ce produit-là, elle doit le mettre à disposition. C'est une cartographie générale. Elle est en train de se faire par le ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, pour faire de l'attraction et libérer ce foncier envers. Mais il restera, c'est le PAP lui-même qui restera le commandant de cette distribution. Alors vous avez ce deuxième commentaire de l'auditeur qui est très intéressant, qui dit que la Chine s'est développée en 10 ans et en mettant en place le slogan « Enrichissez-vous honnêtement et enrichissez la Chine ». C'est comme ça que la Chine est passée d'un pays pauvre à la deuxième puissance mondiale qui est en train d'effrayer tous les États, à commencer par les États-Unis. Monsieur Abdelwahab Ziani, ils sortent même à l'extérieur pour enrichir la Chine parce que tout est rapatrié vers la Chine. Bien sûr, et c'est ce qu'il faut dire aux Algériens aujourd'hui. Travaillez, enrichissez-vous, c'est très important. Honnêtement. Arrêtez de dire aujourd'hui tout le monde est un voleur, le patron est un voleur, le travailleur est un voleur, le taxier est un voleur. Arrêtez de dire tout ça. Enrichissez-vous avec une fiscalité moindre et laissez l'Algérien faire de l'argent, faire bâtir son avenir, construire son propre logement et non pas habiter dans des cages qui aujourd'hui nous coûtent de l'argent énormément, on va falloir dépenser de l'énergie pour alimenter tous ces immeubles qui n'ont même pas été protégés par rapport au soleil et au froid qu'on va avoir. Et il faut laisser l'Algérien faire ce qu'il veut avec son argent et faire son avenir. Nous sommes dans un continent. On peut s'élargir dans tous les espaces. L'Algérie est grande et l'Algérien peut s'installer partout. Il n'y a ni crise de logement, ni crise de travail. Il y a de la richesse à ramasser. Comment le ramasser? C'est les lois qui doivent nous laisser travailler. Libérer l'investissement et libérer l'initiative et l'esprit algérien. Alors, autre question de l'auditeur, vous avez dit dans la première partie, on a aujourd'hui moins importé parce qu'on a moins volé. L'auditeur vous dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas moins voler, il ne faut pas voler du tout. Moi je dis qu'il ne faut pas voler du tout. Il a raison totalement. Tout à l'heure je l'ai dit, qu'il faut maintenant redonner de l'argent à l'Algérie et non pas aux autres pays. Arrêter et donner des vrais prix. Aujourd'hui, si on donne des vrais prix à l'achat, si les gens sont honnêtes, les prix vont aller vers la baisse. Et c'est comme ça qu'il faut enrichir l'Algérie et arrêter de voler l'Algérie. Alors, on reproduit toujours les mêmes erreurs, M. Abdelwahab Ziani. C'est récurrent. Dans ce scénario, c'est la question de l'auditeur, c'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait 10 en arrière. Eh bien, je dirais qu'à chaque fois, on fait un an en avant, on fait 10 ans en arrière, parce qu'on est en train de revenir en arrière, alors qu'on a des entreprises existantes qui peuvent faire de l'Algérie un joyau de l'Afrique. Et cette Algérie, elle est belle, elle est productive. Elle peut en faire vraiment une richesse pour le continent africain et pour les Algériens. Il y a beaucoup de potentialités dans tous les domaines. Il y a énormément. Au sud, on a de l'eau avec l'agriculture. Il y a tout ce qu'il faut dans notre pays. On a aussi les minéraux qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Puisque nous explorons même du zinc et de l'or dans toutes les régions du pays. On peut trouver beaucoup de choses. On peut produire beaucoup de choses. Vous savez que Tamanrasset, à 30 km de Tamanrasset, le taux de radiation pour capter justement pour ces usines de solaire qu'on voudrait justement mettre en place,
C'est le taux de radiation le plus élevé au monde. Ça veut dire qu'on peut capter cette énergie solaire justement juste à côté de Tamanrasset et on a des grands projets justement par rapport à cela. 4% de l'ensoleillement de l'Algérie pour alimenter toute l'Europe. Bien sûr. Et vous savez, dans le futur, le PET ne va plus exister parce que le pétrole est en train de s'éteindre. Et le futur, c'est le vert. Et le vert, c'est le désert algérien. Et nous pouvons faire de l'industrie verrière, justement, pour transformer et fabriquer de la bouteille et de l'emballage à partir du sable algérien, créer de l'emploi, de la richesse en Algérie et libérer l'initiative de l'Algérien. C'est une très bonne chose. Et sur ces mots encourageants que prend fait cette émission, M. Aldo Aviziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt.